voir accoucher les disciples. Un bon croyant, quelqu'un qui a cru, frère, même si tu ne lui dis pas, fais comme moi, tu vas réaliser qu'il fait comme toi. Essaye de prier comme nous sommes en train de voir. Prêche à quelqu'un qui va naître étant disciple. Tu vas te surprendre que tu as derrière toi quelqu'un qui t'imite. Sans avoir reçu l'enseignement sur comment imiter quelqu'un. Il va t'imiter. Il va faire comme toi. Il va le faire psychologiquement, moralement, physiquement. Si tu supportes les épreuves, il va supporter les épreuves. Si tu prêches, tu utilises certains mots qui énervent les gens. Quand il va prêcher, il va utiliser les mêmes mots qui énervent les mêmes personnes, qui vont te traiter comme on le traite. Ils vont le traiter comme on t'a traité. Si nous vivons dans ce monde comme Jésus, nous aurons les mêmes tribulations. Si nous avons peur, si nous avons honte, nous n'allons pas souffrir. Nous serons heureux, les gens vont nous aimer partout. Et il a dit, quand vous verrez que tout le monde vous aime, faites attention. C'est comme ça qu'ils ont fait aux faux prophètes. Ta manière de faire doit amener une suite de personnes derrière toi qui font, qui t'imitent. Là, tu as réussi. Ça n'a rien à voir avec la perfection que nous devons poursuivre. On va voir tout ça d'ici à la fin. Si tu connais une vérité et que tu es chaud, tes disciples vont connaître cette vérité-là, ils seront chauds. Si on ajoute une deuxième, et si tu l'embrasses, eux aussi ils embrassent, et ça va de croissance en croissance. Est-ce que nous sommes ensemble? Si tu cesses de courir, ils cessent de courir. Fait que personne ne peut dépasser son faisceau de disciples. Personne. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Même si quelqu'un te prêche au contraire, ne crois pas. C'est ce que Jésus a dit là qui est vrai. Parce que lui sait pourquoi il a dit ça. Verset suivant. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, le verset 7. En sorte que vous êtes devenu un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de la Caille. Un disciple doit automatiquement devenir un modèle. Je vous dis, ce sont des choses qu'on enseignait. Hein. Nous avons ces enseignements. Mais nous avons enseigné passivement. Passivement veut dire que quoi? Ça veut dire que tu reçois, c'est comme si il y a une somme de choses à faire pour devenir un modèle. Donc, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu seras modèle. Non, c'est une vie qui nous introduit dans le modèle. Tu n'as pas pour but d'être modèle. Tu ne dis pas, il faut que je sois modèle. Mais ton obéissance à l'évangile seulement fait de toi un modèle. Quand on te dit, repens-toi, tu ne te repens pas pour être modèle. Donc, tu te repens parce que tu vas aller au ciel. Après, on te dit que c'est comme ça que les gens qui partent au ciel font. Et on te dit, tu es vraiment un élu. Donc, tu ne comprends pas. Et on commence à rendre témoignage que vous voyez le frère là, il a vraiment reçu Jésus authentiquement. Et tes oreilles s'ouvrent et puis tu écoutes les témoignages. Si tu t'assois pour dire, je veux lire la Bible, je veux faire pour être modèle, tu ne seras pas modèle parce que ce n'est pas superficiel. Ça vient de la vie qui habite ton esprit par nouvelle naissance. Donc, c'est la vie de Jésus qui coule, qui t'entraîne. Quand il n'y a pas eu cette vie-là, parce que tu n'as pas obéi comme la parole te demandait, tu seras fatigué.
Tu te lèves, tu tombes, tu te lèves, tu tombes, tu te lèves, tu tombes. Est-ce que nous sommes ensemble? Et puis, frère, j'apprends ça. Prie que Dieu te bénisse. Que quand tu prêches, qu'il y ait la puissance de Dieu qui se manifeste. Que les gens soient délivrés du péché. Que quelqu'un te dit que quand il a fait la repentance, l'immoralité est partie. Paul dit, nous ne sommes pas venus avec des paroles seulement. Ne venez à Jésus, ne péchez pas, ne mentez pas, ne volez pas. Ils sont allés avec des paroles remplies d'une puissance telle que les gens voyaient la puissance de Dieu dans la prédication. Et la prédication produisait des délivrances. Donc ils écoutaient la parole et ils vivaient les transformations qui ne peuvent sortir que de la puissance de l'évangile. Est-ce que nous sommes ensemble? Sens-toi libre de prier que Dieu t'accompagne, que personne ne te trompe. Dieu doit nous accompagner. La puissance de Dieu doit se manifester dans la prédication de la parole. Sinon, tu ne peux pas bâtir des disciples. Tu n'en auras pas. Je vous dis, nous voyageons à l'intérieur du pays. Nous sortons, nous allons à l'intérieur, à l'extérieur, dans des autres pays étrangers. Mais frère, je peux vous dire que pour avoir des disciples, si Dieu ne t'accompagne pas avec son esprit, tu ne peux pas. Tu vas rassembler les gens, après 2 jours, ils se dispersent. Est-ce que nous sommes ensemble? Relis le verset 6. Verset 6. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que vous avez noté ça? Vous avez noté qu'ils ont reçu la parole avec joie, qu'ils étaient contents. Quand on prêche, ils sont contents. Il y a des gens, on parle comme ça, ils sont fatigués. Ils veulent qu'on finisse vite. Mais les Thessaloniciens, quand tu dis que leur approche, ils disent, oh pardon, parle encore. Parce que c'était la joie. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Vous voyez, un jour, je disais à quelqu'un que quand je n'étais pas dirigeant, j'aimais la parole. C'était ça? Oh oui. C'est-à-dire que j'étudie la Bible parce que je suis content. J'étais content. Quand j'ai des révélations, parfois je marche comme ça, je dis vraiment. Après, je deviens dirigeant. Maintenant, j'étudie la Bible pour prêcher. Ce n'est plus la même chose. Maintenant, j'étudie la Bible, je me retire. Pas par amour que j'aime Dieu. Je veux travailler sur le message que je veux prêcher. Si bien que, si tu ne fais pas attention, tu restes superficiel. Donc, il faut notre effort maintenant pour garder un amour réel pour la parole de Dieu. Et c'est toi qui dois t'examiner. Personne ne viendra t'aider. Si tu te trompes toi-même, si tu te séduis toi-même, tu restes comme ça. Est-ce que nous sommes ensemble? Quand on lit Apocalypse, Dieu dit à une église, les dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières, mais je veux le premier amour. Ça vous a touché? Les œuvres, ce que tu fais aujourd'hui est en nombre supérieur à ce que tu faisais hier, mais tu as perdu le premier amour. Donc, nous devons refuser ça. Que les activités augmentent, mais le premier amour a diminué.
Est-ce que nous sommes ensemble? Un dirigeant doit faire attention. Tu risques de faire beaucoup de choses pour le succès du ministère, mais ton amour réel a diminué. C'est pour cette raison que parfois tu prends du temps, tu restes seul. Tu restes seul, tu réfléchis seul. Tu corriges ta vision des choses. Toi-même, ne laisse pas quelqu'un te dire. Même si quelqu'un te dit que c'est bien, mais toi tu dois dire que c'est bien, mais cette retraite-là, ce n'était pas pour aimer Dieu. J'avais un devoir. Maintenant, prends une autre pour aller aimer Dieu. Toi-même. Est-ce que nous sommes ensemble? Continue. Verset 8. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous, dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Amen. Quand c'est comme ça, la nouvelle part. C'est automatique. C'est pour cette raison que j'ai dit aux frères, ne rétrogradons pas. Le frère Zach a dit aux gens que nous sommes forts. C'est fini, il a déjà dit. Donc, nous devons persévérer. Alléluia. Il va en France. Il a dit aux gens que la Côte d'Ivoire, c'est son pays, sa deuxième nation. La secrétaire dit que quand le frère a quitté Abidjan, c'était le seul pays où, quand il revient, il est heureux, sans fardeau, sans souci. Ça, c'est le témoignage de la secrétaire. Donc, gardons ce témoignage-là. Alléluia. Et frère, la Côte d'Ivoire a une bénédiction particulière dans ce domaine-là. La Côte d'Ivoire même avec les païens. Il y a un témoignage qui m'a touché. On dit Moïse, il y avait un prophète Moïse. Il a mené les gens au Ghana. Il avait un camp de prière. On dit qu'arrivé là-bas, il y avait un jeu pour prendre l'argent des brebis. On place un trône. Tu amènes 10 000, tu t'assois. Quelqu'un vient avec 20 000, il t'enlève, il s'assoit. Mais la Côte d'Ivoire était toujours gagnante. C'est-à-dire que quand ils venaient, ils arrachaient le trône, il n'y avait personne pour venir prendre. Vous croyez que Dieu peut, par amour, Dieu aura pitié d'une telle nation? Alléluia. On dit que quand les Ivoiriens sont là-bas, tu donnes 5 minutes, tu t'assois, l'autre vient et t'enlève. Quand les gens se sont amusés là, l'Ivoirien va venir, il t'enlève. Et quand il t'enlève là, il n'y a personne qui peut venir déposer quelque chose d'autre. De telles personnes, quand elles découvrent la vérité, c'est le feu, c'est ce que nous vivons. Mais si nous rétrogradons, on a trahi. Alléluia. On a trahi. Ça, c'est des choses qu'on me racontait en 96. On me disait qu'il y a un autre prophète, il a étalé un pain par terre. Il dit, Dieu aime l'argent. C'est comme ça, c'est dit. Il dit, venez jeter, quand il jette, les gens jettent l'argent, là, il est content. Il dit, Dieu aime l'argent, il faut donner. Et puis les gens donnent. Quand c'est comme ça, Dieu a pitié et il envoie la lumière. Le peuple qui était assis dans les ténèbres voit une grande lumière.
Ça ne veut pas dire que Dieu les sauve. C'est-à-dire que Dieu, quand c'est comme ça, Dieu t'envoie les pierres, les gens pour vous convertir. Parce qu'il a vu ce que vous faites dans l'obscurité. Il a dit à Corneille, envoie quelqu'un chercher l'apôtre Pierre. Envoie quelqu'un. Est-ce que nous sommes ensemble? Oui, continue. Verset 9. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu. Écoutez ça, très bien. En abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. On raconte quoi? Quel accès? Nous avons eu auprès de vous. Nous avons eu auprès de vous. C'est ça qu'il disait là. Les gens qui déclassent jusqu'à gagner le prix du meilleur donateur. Ça, c'est une des grandes portes ouvertes aux apôtres. Donc, Dieu ne peut pas laisser ces portes-là sans bénédiction. Est-ce que nous sommes ensemble? Continue. Et pour atteindre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts. On reprend le verset 9. Verset 9. Car on raconte à notre sujet. À votre sujet. Au sujet des apôtres. Oh, oui. Car on raconte à notre sujet. Quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Alléluia. Alléluia. Frère, si vous entendez un jour qu'un dirigeant de la CMCI vient nous rendre visite, recevez-le avec beaucoup d'amour. Ouvrez les portes des cœurs. Et quand on dit que le frère est rentré en dansant, c'est ça. Il avait trouvé ça. Si le leader de Dorandossé vient, il ne faut pas qu'on dise que, comme le frère n'est pas là, ça a diminué. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est un accès, c'est spirituel. Quand c'est spirituel, ce n'est pas sélectif. On libère le cœur. Les gens racontent comment, quand nous venons là-bas, vous nous recevez. Comment vous vous donnez. C'est une vertu. C'est une vertu. Le frère Zaka allait dans un pays. Il a demandé qu'on lui montre un restaurant. Il n'y avait pas à manger. C'est-à-dire le missionnaire fait la chair là pour qu'on dise qu'il souffre. Un étranger, même si tu n'as rien à manger, un apôtre vient chez vous. Mais même si c'est le riz qui a le sable dedans, là, vous servez quand même. Il est parti dans un restaurant. C'est-à-dire, il a même posé le problème ironiquement. Est-ce qu'il n'y a même pas même un restaurant? Et il a dit ça. Quand il vient, il ne cache pas, il dit. Même si vous n'avez rien, quand un dirigeant vient opérer un miracle, qu'est-ce que nous faisons sur la terre? Tu vas faire l'économie, là, tes petits 500 francs, après les souris vont voler. Là où tu es parti caché, là, tu vas mettre la main pour prendre après la visite, il n'y a rien. Une souris a pris. Une souris venant de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Ne dites pas que nous n'avons rien. Il y a des gens qui aiment dire qu'il n'y avait rien, je n'avais rien. Attention. Donne le peu que tu as. Est-ce que nous sommes ensemble? On raconte partout comment nous sommes libres chez vous.
Ça fait partie de la formation des disciples. Pour vous dire, quand on enseigne sur la formation des disciples, la tendance est d'aller rapidement sur les choses qu'il faut faire. C'est une erreur. Il faut beaucoup de temps sur ce que nous devons être. Parce que si nous ne sommes pas, nous ne pouvons pas faire. Il y a la maquette du faire, il y a la maquette de l'être. Donc, la maquette de l'être vient, c'est-à-dire être comme je suis, tu es, il est. Il y a la maquette de ce que tu dois être, il y a la maquette de ce que tu dois faire. Mais la maquette de ce qu'on doit être n'est pas perceptible à certaines personnes. Est-ce que nous sommes ensemble? Continue. Et pour atteindre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Cette partie, je l'aime beaucoup. C'est-à-dire que l'évangile qu'ils ont reçu touche tous les domaines jusqu'à l'avenir éternel. C'est-à-dire, on ne leur a pas donné l'évangile du Placali. On leur disait, vous allez entrer au ciel. Donc, ils sont des modèles jusqu'à l'attente du royaume. C'est-à-dire, ils attendent le royaume. Frère, faites un test. Je ne vous demande même pas de faire ce test. Je préfère dire que si on fait un test, parce que si tu fais ce test-là, on va perdre le temps. Si tu prends deux assemblées, tu dis aux assemblées, il faut donner la vie à Jésus. Et vous serez protégés, vous serez forts. Il va vous délivrer de tous les démons. Et tu prends l'autre assemblée, tu dis donner la vie à Jésus. Si vous ne donnez pas la vie à Jésus, si vous mourrez, vous irez dans le lac de feu. Donc, il faut faire attention. Veillez sur vous-même, parce que Jésus revient bientôt. Si tu t'arrêtes là, ceux qui ont reçu les promesses terrestres vont tous retrograder. Ceux qui ont reçu la promesse de la vie à venir vont rester dans la foi. Est-ce que nous sommes ensemble? Ils ne vont pas rétrograder. Et la vie à venir sera comme indicatrice. Ça va les empêcher de s'égarer. Les frères qui n'attendent pas le royaume sont méchants. Ils peuvent te haïr. Tu demandes pardon, ils ne pardonnent pas. Mais les gens qui attendent le royaume à venir ont peur de garder des rancunes. Ils se disent qu'il ne faut pas que le Seigneur me trouve dans le péché. Dès qu'ils pensent à la vie éternelle, même s'ils ne voulaient pas pardonner, ils pardonnent. Même s'ils voulaient être cupides, quand ils pensent à la vie éternelle, ils changent. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc, Jésus prêchait le royaume de Dieu. Il prêchait le royaume de Dieu. Il prêchait la justice. Il prêchait le royaume de Dieu. Dans ton message, la place du royaume de Dieu doit être dedans. Est-ce que nous sommes ensemble? Dans ton message, il faut qu'il y ait dedans l'exigence de te suivre. Jésus disait, suis-moi. Il y a des gens qui disent, les gens, il n'y a pas les gens dans l'assemblée, envoyez-nous les ouvriers. Qui va t'envoyer les ouvriers? Dis aux gens, suivez-moi, je vais vous bâtir, vous allez servir Dieu.
dis aux gens que tu connais la parole de Dieu, que tu connais, tu as une vision. Et dis qu'avec persuasion, pour entraîner les gens, il ne faut pas être à peu près. Les gens aiment, le frère disait que les gens aiment les choses extravagantes. Si tu veux prêcher, prêche. Ne dis pas, venez, on va prier ensemble. Les catholiques viennent, les musulmans, les adventistes viennent. Tu as peur de prêcher, tu dis, prions que Dieu nous soutienne. Chacun, après, tu dis que chacun aille dans son église. Et tu dis que tu as une œuvre. Sois courageux pour dire aux gens, suivez-moi. Ils vont te suivre. Les hommes sont régis par des influences. Des influences. J'ai écouté des choses très difficiles. Un jeune homme m'a dit qu'ils étaient dans le bus. Il a rencontré quelqu'un, il dit, je suis un steward dans telle compagnie, quand je veux partir là, je vais te garder les choses. Et quelqu'un qu'il n'a jamais vu. Après, il descend ensemble, il s'en va pratiquer l'homosexualité avec lui. Comme s'il s'était vu depuis. Dès qu'il a entendu que je suis dans l'avion, je vais te garder les choses, il était déjà... Et le monsieur, il ne l'a plus jamais vu, mais lui, il a déjà péché. Donc, les brebis sont misérables, ils se promènent dans la confusion. Tu attrapes une, tu tires, tu mets dans le royaume de Dieu. Si tu ne tires pas un homosexuel, va le tromper. Là, je travaille à la présidence, tout ça là. Nous avons les primes. Le bon, si viens, on va t'embaucher. Avant de réaliser qu'il s'est trompé, on l'a déjà drogué, on l'a déjà violé. Donc, quand toi aussi tu arrives, tu saisis seulement, tu tires, tu jettes dans le royaume. Alléluia. Le Seigneur me faisait comprendre que les gens sont dans des réseaux relationnels. Tu vois une sœur, voilà une sœur qui sort. Là. Vous voyez comment elle marche. Si tu l'appelles là, mademoiselle, quand tu vas vérifier, tu vois qu'il y a les missionnaires derrière elle. Donc tu pensais que dès que tu as dit mademoiselle, tu vas prendre et l'amener. Il est dans un réseau. L'autre va dire, c'est quoi, tu étais, pourquoi je ne t'ai pas vu, reviens vite. Donc tu arrives, tu saisis, tu tires, tu mets dans les disciples. Alléluia. Si tu ne fais pas ça, quand elle va rencontrer quelqu'un de leur réseau, mais je ne t'ai pas vu depuis longtemps, pourquoi je ne te vois pas, il prend, il ramène dans le réseau. On dit qu'elle a rétrogradé. Donc c'est une guerre en parole et en action. Une guerre en parole et en action. Oui. Je suis le frère Ségouin, Jean-Jacques, missionnaire de Noé. Effectivement, nous sommes dans un réseau. Alléluia. J'ai un disciple femme qui avait été piégé par un péché de fornication. Là, je ne savais pas. Un jour, elle avait dit qu'elle partait rendre visite à son oncle qui est à Lakota. Et elle m'avait dit le jour qu'elle allait être de retour. Donc j'étais toujours en contact avec elle, lui mettant la pression de vite rentrer. Elle m'avait donné une date où elle était déjà à Noé. Donc elle m'avait donné une date qu'elle n'était pas encore arrivée et qu'elle devait arriver à cette date-là. Donc elle était déjà à Noé et elle était chez un douanier. Là se trouvait une sœur qui quittait au travail. Donc en passant, la sœur en question vivait avec sa petite sœur. En passant,
elle voit sa petite sœur qui était sortie de la cour et qui partait verser l'eau sale. Elle voit la petite sœur et dit, mais Esther, tu fais quoi ici? Non, je suis avec ma grande sœur dans cette cour-là. Elle a cherché à voir vraiment si c'était réel. Elle s'en va. Elle voit effectivement la sœur chez le monsieur douanier. Mais Modestine, qu'est-ce que tu fais ici? La sœur était bouleversée. En même temps, sortant de chez elle, elle m'a appelé. Quand elle m'appelle, elle dit, mais Modestine est ici. Elle dit, non, Modestine dit qu'elle vient demain. Ne dis pas les choses comme ça. Elle l'a confirmé. Elle est venue chez moi. Les frères étaient là. Toute notre délégation, le pasteur était devant, les brebis derrière. Je dois allonger, je vais voir les frères. On s'en va, on se déporte chez le monsieur. On arrive, le monsieur en sortant, il nous a vus en délégation. Il a eu peur. Quand il a eu peur, en rentrant, il dit, tes pasteurs là sont venus, ils sortent de chez moi, il faut partir. Alléluia. Depuis ce jour, le monsieur et la sœur, c'était la délivrance de la sœur totalement jusqu'à ce jour. Alléluia. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je veux dire, effectivement, le monsieur pensait qu'il a trouvé une fille qui se promène comme ça à Noé, qui n'a rien, et c'est comme ça. Mais quand il a vu cette délégation-là, le monsieur a rompu avec cette sœur pour toujours. Je vais lui rendre grâce parce que tel que nous sommes, les gens pensent qu'ils peuvent nous voir comme ça sans rien, mais on a un puissant réseau, une équipe très forte derrière nous. Amen. Nous avons vu cette vie-là dans les meuniers, Seigneur. Nous avons touché cette vie. Nous avons ressenti cet amour. Nous étions perdus en eux, on oubliait même nos familles. Seigneur, je pensais que ça avait disparu, mais avec ce que j'ai entendu, ce matin, mon cœur est dans la joie. Parce que c'est nous qui avons manqué de faire comme ils ont fait avec nous. Je prie, Seigneur, pour ramener mon cœur à ces choses, à cette manière de faire avec les frères qui nous gardaient unis, qui nous permettaient d'être branchés les uns aux autres. Et ce réseau était fort. Quand quelqu'un rentrait dans notre réseau, il oubliait le monde, il oubliait le péché, il oubliait sa famille. Il était membre du corps de Christ. Seigneur, merci de nous ramener. Et je proclame que désormais ce sera ainsi, Seigneur. Pardonne les années où nous avons divagué. Pardonne là où nous avons bâti des disciples, où nous avons accouché des hommes qui n'étaient pas des disciples. Pardonne, pardonne. Et donne la puissance nécessaire d'accoucher de nouvelles personnes, engagées, déterminées à être de ce réseau, à marcher avec toi, zélées pour ta cause, sans qu'on ne leur dise, soyez zélés, parce qu'ils nous ont vus zélés, parce qu'ils nous ont vus sanctifiés, qui se sanctifient, parce qu'ils sont, nous ont vus aimer les frères, qu'ils aussi aiment les frères. Donne-nous, notre Dieu, de nous lever pour être ce genre de disciples, ce genre de missionnaires, de sorte que nos assemblées vivent à l'image des missionnaires que nous sommes, nos églises vivent à l'image des missionnaires que nous sommes, afin que notre Dieu,
le standard qui a été vu par le frère Zach en Côte d'Ivoire soit maintenu en Côte d'Ivoire, dans toutes les assemblées, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Partout, on trouve des assemblées, des frères qui aiment le Seigneur avec cette même ardeur, avec cette même puissance, avec cette même capacité. Oh Seigneur, nous te bénissons pour ce que tu es en train de régler au milieu de nous, pour qu'il y ait cette œuvre de qualité que tu as produite depuis le début, que cette œuvre de qualité subsiste en Côte d'Ivoire, que le témoignage demeure. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je confesse que c'est par ce réseau qu'aujourd'hui je suis au milieu de tes enfants. Parce que Seigneur, quand je traînais encore dans Bobo, quand le pasteur Meunier me voyait, c'est une missionnaire celle-là. Moi-même, je me regardais, je me demandais, est-ce que je peux aller en mission? Où et comment? Mais Seigneur, par cette parole, je me suis mise dans une consécration parce que je me suis dit, si le leader a vu, c'est qu'un jour cela va s'accomplir. Et cela s'est accompli. Cela m'a menée à être forte en moi-même. Malgré tout, j'ai pu demeurer à cause de cette parole. Seigneur, je te dis infiniment merci. Je prie, Seigneur, que ce réseau qui vient de renaître, Seigneur, prenne de l'ampleur, que nous nous appuyons sur ça pour avancer avec toi. Seigneur, s'il te plaît, fais-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, notre Père, notre Dieu, tu nous enseignais tout à l'heure que lorsqu'on nous parle de la formation des disciples, la tendance, c'est d'aller nous concentrer sur le faire. Mais en réalité, Seigneur, ce que tu voudrais, que nous nous maximisons là-dedans, c'est l'être. Effectivement, Seigneur, l'être produit le faire. Père, je prie au nom de Jésus-Christ que tu nous accordes, Seigneur, véritablement, de payer le prix pour produire l'être. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de payer le prix pour produire l'être. Afin que, Seigneur Jésus-Christ, l'être impacte, ô Seigneur, l'œuvre. Père, délivre-moi de toute tendance de me concentrer sur le faire et abandonner l'être. Je prie que tu le fasses aussi pour mes frères, que le voile soit déchiré, afin que chacun d'entre nous payons le prix pour devenir, Seigneur, ce à quoi tu nous as appelés, comme les Thessaloniciens l'ont fait. En écoutant, Seigneur, l'apôtre Paul, ils sont devenus une église de qualité. Seigneur, aide-nous, Seigneur, le devenir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le pasteur nous dise c'est quoi le faire, c'est quoi l'être par rapport à la formation des disciples. Le faire et l'être, c'est des notions qui, c'est une autre manière de désigner la maquette ou le modèle. C'est-à-dire que ce que Dieu veut que nous soyons est observable quand on regarde Jésus, comment il était et ce qu'il faisait. Ce que Jésus était, c'est l'être, et ce que Jésus faisait, c'est le faire. Donc, dans la formation des disciples, on doit amener le pécheur à devenir, à être accouché disciple, comme nous sommes en train de voir. Quand il est accouché disciple, il n'est qu'un jeune converti. Et on va définir d'ici à demain la notion de repentance, de conversion. C'est-à-dire qu'on va réviser la repentance, la conversion, le perfectionnement, la maturation, etc.
Donc, ce que le disciple fait, c'est-à-dire il lit la Bible, il prêche, il est un homme en Christ, il sert Dieu, ça c'est la capacité de servir. C'est ça qui est le faire. Donc, ce que nous sommes en train de voir, c'est que dès qu'on dit enseignement sur la formation des disciples, il est facile de se transporter tout de suite dans ce qu'on fait. Et on ne met pas l'accent sur ce qu'on doit être. Donc, ce que nous voyons ce matin, c'est comment naître disciple. Est-ce qu'on devient disciple? C'est-à-dire, tu prends quelqu'un qui n'est pas disciple, tu commences à le bâtir pour qu'il devienne disciple. On dit non. Dans le livre Le chemin d'être disciple, le frère Jean dit qu'on ne naît pas, on ne devient pas disciple, on est disciple, comme naître. Donc nous sommes en train de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour accoucher des gens qui ont déjà l'esprit de Christ en eux. Et dès le départ, ils sont déjà des enfants de Dieu avec la vie de Dieu en eux. C'est ça qu'on a vu, l'exemple des Thessaloniciens. Il y a un type d'évangile qu'il faut prêcher pour que le cœur du pécheur s'ouvre et que l'Esprit de Christ entre en lui et avec la vie de Dieu en même temps, comme dit l'apôtre Pierre. Et c'est ce qui est nouveau dans ce que nous sommes en train de voir dans la révision de cet enseignement-là. C'est, nous n'avons pas bien médité sur quand on dit on ne devient pas disciple par étapes, on est disciple. Tu peux venir là tous les jours pendant un an, mais il y a un jour où tu deviens disciple. C'est le jour où tu as reçu la parole dans l'esprit et dans la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, dans la vision que Dieu a donnée à Moïse, il a montré l'arche à Moïse. Il lui a dit, va, fais ce que tu vois sur la montagne. Donc, il y a ce qu'il voit là. Il a ça en lui. Et il doit venir expliquer ça aux gens qui ont du talent et l'intelligence. Donc, il dit, voici ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu était comme ça, ça avait des tissus, c'était en bois d'acacia, et il décrit tout. Bon. Donc, les gens qui travaillent pour la construction du tabernacle doivent rester collés au modèle. Le modèle donc est comme une maquette. Donc, tu reproduis ça. On dit que tu as accompli l'œuvre selon la vision de Dieu. Mais seulement que pour nous, ce n'est pas le tabernacle. Il dit la maison de Dieu, c'est nous. Sa maison, c'est nous. Donc, nous devons bâtir les hommes selon la vision que Dieu a révélée. Quand tu bâtis les gens sans tenir compte de la vision que Dieu a révélée, ces gens-là ne peuvent pas devenir des disciples de Jésus. Ils seront des disciples. Peut-être tes disciples, mais pas les disciples de Christ. Parce que Jésus a donné les conditions pour être son disciple. Donc, pour le moment, ce que je veux qu'on regarde avec attention, c'est qu'on n'a même pas touché les conditions d'être disciple. Qu'est-ce qu'il faut faire? Que si tu arrives dans un village, tu prêches, les gens croient et ils commencent à t'imiter seulement. Parce qu'ils sont vivants, ils naissent avec la vie. Ils ne sont pas les morts-nés. Ils ne naissent pas des créatures indescriptibles et puis on commence à aller à mettre des produits pour qu'ils deviennent des disciples. Maintenant, non. On peut faire 10 ans dans la foi sans nouvelle naissance. Mais au niveau humain, nous disons que nous sommes 1 milliard, ça c'est sûr. Mais au niveau de Dieu, Dieu ne voit pas 1 milliard. Il voit ceux qui sont nés de lui. C'est ça qu'il faut noter. Et le dirigeant, le missionnaire, ne doit pas chasser les gens. Lui, il doit prêcher le même message. Il doit prêcher, comme la parole dit, Dieu, après avoir parlé à nos pères par les prophètes, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, nous a parlé par le Fils. C'est-à-dire que les mêmes vérités sont dites de plusieurs manières et à plusieurs reprises. Jusqu'à ce que, ici, ça produit la vie aujourd'hui. L'autre, lui, il est encore dans les ténèbres. Après 2 jours,
tu reviens sur les mêmes vérités, peut-être dans une veillée. L'autre, les écailles tombent. Donc tu verras que chaque jour, tu célèbres l'entrée au ciel des personnes qui viennent d'être touchées divinement. Alléluia. Mais si on te demande les effectifs, si vous êtes 100, dis que vous êtes 100. Ne les classe pas. C'est Dieu qui classe. Toi, tu fais le travail de Dieu. Dieu est mort. Nous allons voir ça tout de suite. Après la connaissance révélationnelle, vous notez le Saint-Esprit. Donc, quelqu'un lise Romains 8, versets 1 à 2. Un commentaire sur le Saint-Esprit, sur l'action du Saint-Esprit. Romains chapitre 8, versets 1 et 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Donc, le Saint-Esprit agit. Pendant que tu prêches, il travaille pour produire la délivrance. Lis dans Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Jean 16, verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Amen. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de ton aide pour faire ce travail, c'est son travail. C'est ton travail. Toi, tu proclames. Quand tu dis il y a l'adultère, la masturbation, la fornication, lui, il convainc. Il convainc, il t'aide. Il crée en l'homme la contrition, la tristesse. C'est son travail. C'est pour cette raison que Jésus dit de ne pas aller sans lui. Il va venir et avec lui, nous serons les témoins de Jésus. Alléluia. Et comme nous avons appris, ce que j'ai dit en parlant de mon témoignage, que les dirigeants, à un certain moment, cherchent Dieu pour le ministère, ce n'est pas mauvais, mais il faut rester un amoureux de Dieu. Que ce n'est pas parce que tu veux prêcher, si on ne programme pas de prédication, tu te promènes. Dès qu'on dit, frère, tu exhortes demain, tu cours dans la retraite. Ce n'est pas ça qu'on enseigne. Tu dois être un homme de retraite et de prière. Les prédications viennent te trouver. Je peux décider là que je ne serai pas là le soir. Clémentine va vous exhorter. Il ne faut pas qu'elle commence à dire qu'elle n'est pas prête. Elle me cherche parce que je vais te parler. On doit être prêt tous les jours. C'est ça qui est l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu. Prêt tous les jours. Tu peux être assis là où tu es là. Tu communiques avec Dieu. Tu peux dire à Dieu, j'ai compris. Et il entend. Il entend. Donc, il y a l'action du Saint-Esprit. Et on a vu qu'il faut le modèle humain. Il faut quelqu'un qui prêche. Et il y a ce qui vient parce que tu as connu Christ par révélation. On parle de Jésus là. Mais toi, tu le connais par révélation. Ça change quelque chose. Et puis, le Saint-Esprit travaille. Tu n'es pas seul. Nous ne sommes pas seuls. Le Saint-Esprit travaille. Il convainc. Frère, tu peux parler à quelqu'un aujourd'hui, il te chasse. Le matin, il est devant ta porte, qu'il est venu se repentir. Qui a travaillé? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Vous notez, le croyant lui-même, ça commence dès les premiers, quand tu prêches, parle à la personne, dis-lui, écoute-moi, tu parles. Tu lui dis, repens-toi. C'est lui-même, il ne doit pas dire, Seigneur, délivre-moi. Non, non, non. Tu lui dis, frère, c'est toi-même. L'apôtre Pierre dit, faites tous vos efforts.
Jésus dit, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. L'apôtre dit, j'ai prêché la repentance avec l'exigence du port des fruits dits de la repentance. Il n'a pas dit seulement repentez-vous, point. Il a dit, où sont les fruits, où sont les preuves que vous vous êtes repentis? Si vous mentez encore, vous ne vous êtes pas repentis. S'il y a des divisions parmi vous, vous ne vous êtes pas repentis. C'est ça qui crée les haines, les jalousies. C'est ce qu'il disait à ceux de Galates. Il dit, si vous vous mordez vous-même, vous serez détruits, vous allez vous détruire. Dès le premier jour, le croyant est appelé à se repentir radicalement. S'il refuse, si tu laisses, tu n'as rien fait. Le frère disait que la tragédie de notre génération, c'est que les hommes ont enlevé la substance de l'évangile, le renoncement à soi-même. Il faut demander ça dès les premiers jours. Il ne faut pas penser qu'après 3 jours, tu vas enseigner sur ça. Parfois, les paliers que nous aimons tracer, c'est-à-dire que les graphiques, ces étapes-là ne sont pas spirituelles. C'est pour une bonne compréhension. Ça ne veut pas dire que cette année, tu as la foi. Après l'an prochain, tu as la vertu. Tu montes sur la vertu. Tu regardes les autres et marches là. Après, tu montes sur la connaissance, la science. Non. C'est comme un comprimé. Tu prends, tu bois. Il y a tout dedans. Et tu te développes. Alléluia. Comme l'homme grandit là, la vie qui est en toi se développe. Ce n'est pas une dose qui vient chaque jour, non. Il y a ce qu'il doit faire à l'immédiat. Il y a ce qu'il doit faire juste après. Notez ceci. Il y a le rôle du prédicateur. Il y a le rôle de la parole vivante. Il y a le rôle de la personne qui reçoit l'évangile. 1. Pendant qu'il écoute. 2. Après qu'il ait reçu. C'est-à-dire immédiatement après qu'il ait reçu. Et longtemps après. Et il y a le rôle du Saint-Esprit. Le but suprême étant, oui, c'est à peu près ce qu'on avait dit en haut. Donc le prédicateur. 1 Pierre 2, verset 1. 1 Pierre 1, verset 3 à 10. Faites tous vos efforts. Après, il y a l'exemple de Paul. Philippiens 2, il donne l'exemple de Jésus. Philippiens 3, il donne son exemple. Il y a 2 Pierre 1, verset 3 à 10, qu'on vient de lire. Et il y a aussi l'exemple de l'apôtre Jean. C'est dans 1 Jean 3. En fait, ce texte-là, c'est pour montrer que d'une manière ou d'une autre, chaque apôtre a parlé de comment imiter Jésus, comment être comme lui. Paul a dit comment il a fait dans Philippiens 3, on va voir ça en détail. Il a dit comment Jésus a fait dans Philippiens 2. Et Pierre a dit dans 1 Pierre 2, verset 21. Et Jean a dit dans 1 Jean 3. Il dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. C'est-à-dire que tous ont enseigné sur la nécessité d'être comme Jésus, même dans ce monde, pas dans les siècles à venir. Il dit, nous l'aimons comme il nous a aimé le premier. J'ai dit donc qu'il y a le rôle de la personne qui reçoit la parole de Dieu. 1. Après qu'il ait reçu, c'est-à-dire immédiatement, la réaction immédiate quand on lui dit, donne ta vie à Jésus. Jésus est venu te sauver. Laisse le péché. Son attitude là est déterminante. Il peut se mettre à discuter avec toi, Après, il dit, ok, je vais venir. Et il vient, il n'abandonne pas le péché. Il vient comme si c'est pour regarder si c'est une bonne église. Tout ça, il est en train de perdre. Parce que les Thessaloniciens ont reçu la parole avec empressement, avec joie.
Quelqu'un qui te perd le temps, je viens, il faut m'appeler, tout ça. Donc, quand il a écouté, quelle a été sa réaction immédiate, ça compte pour la qualité pour sa naissance en Christ. Est-ce que nous sommes ensemble? Et toi-même, tu peux discerner, en tant que bon berger, il faut faire la part entre quelqu'un qui a beaucoup discuté avec toi avant de croire et les gens qui t'ont suivi spontanément et qui continuent à te suivre spontanément. Ne les mélange pas. Quand tu vas bâtir les gens, il y a des endroits où il ne faut pas appeler les autres. Tu appelles seulement ceux qui ont obéi instantanément. C'est un trésor. Il ne faut pas confondre. Même s'ils te provoquent même, il faut pardonner. Tu les appelles parce qu'ils sont importants. Les gens comme Pierre, là, tu le vois comme s'il n'a pas, comme s'il est désordonné, mais son cœur est bon. Il ne faut pas le mélanger avec les autres. Tu vois comment la vaillante là me regarde. Alléluia. Un bâtisseur d'hommes, mon ami, que personne ne se trompe, tu dois avoir un petit carnet. Un petit carnet comme l'apôtre Paul dit. Alexandre Forgeron m'a fait beaucoup de mal. Est-ce que nous sommes ensemble? Tu vois, Emmanuel médite. Non, vous êtes des bâtisseurs d'hommes. C'est comme ça que ça fonctionne. Un enfant qui te fait confiance ne joue pas. Même s'il est mauvais, il faut l'appeler. Tu dis, mon ami, viens. N'oublie jamais que celui-là, son cœur est différent. Jésus a donné une parabole. Dit, un homme a dit il avait deux fils. Il dit à un, allons au champ. Il dit, je vais. Il dit à l'autre, allons au champ. Il dit, je ne vais pas. Après, l'autre qui avait dit, je ne vais pas là, c'est lui qui est parti. Il y a des gens qui sont comme ça. Tu penses qu'ils sont des rebelles alors que c'est eux-mêmes qui vont t'accompagner. Donc, tu dois discerner. Qu'est-ce qu'il a fait immédiatement? Qu'est-ce qu'il a fait après? Et qu'est-ce qu'il fait longtemps après? Il est sollicité jusqu'au retour de Christ. C'est ça que les Thessaloniciens font là. Leur action ne s'arrête pas qu'ils ont obéi aux apôtres. Ça va jusqu'à l'attente du Seigneur. Ils attendent Jésus. Et puis, il faut développer cette partie-là. Parce qu'il y a des gens dehors là qui disent que quand on est en Christ, on doit dormir. Jésus a tout fait. Il ne faut pas croire à ça. En fait, cet évangile-là, en Côte d'Ivoire, c'est déjà tombé même. Parce que nous sommes sur leur chemin. Ils ne peuvent pas nous vaincre. Alléluia. Même ceux qui sont là-bas maintenant, quand ils seront fatigués, ils vont revenir. Ils vont revenir avec des larmes. Mais on va pardonner, on va essuyer les larmes. Dites amen. Dans le rôle du Saint-Esprit, on a déjà montré. Il guide, il conseille, il exhorte, il convainc. Il délivre du péché. C'est lui-même qui est le dispensateur principal des grâces de Dieu, le Saint-Esprit. Le but, c'est l'héritage avec les sanctifiés. Comme dit le Seigneur a dit à Paul dans Actes chapitre 26, versets 14 à 20, afin qu'il ait l'héritage avec les sanctifiés. Seulement que l'héritage a deux dimensions. Il y a l'héritage de maintenant, c'est-à-dire l'héritage avec les sanctifiés dans ce siècle, l'héritage avec les sanctifiés dans le siècle à venir. Il faut que le ministère qu'on rend aux disciples l'établisse dans cette dimension-là. Il attend l'héritage. Quelqu'un nous lise dans Actes chapitre 26. Versets 14 à 19, disons 14 à 20. Actes chapitre 26, versets 14 à 20. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Et je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur me dit, je suis Jésus que tu persécutes.
Lève-toi, mais lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Amen. Dieu dit à Paul, va, tu vas prendre les... Tu étais païen, j'étais pris du milieu des païens. Tu étais avec les juifs, j'étais pris du milieu des juifs. Donc, je te renvoie là-bas, chez ces deux peuples-là. Je te renvoie chez les païens, je te renvoie chez les juifs. Pourquoi faire? Un, ouvre leurs yeux. Ça veut dire tout ce que vous pouvez imaginer de la prédication, les conseils, les prières. Ouvre leurs yeux pour qu'ils voient. Deux, tu les prends des ténèbres. Tu les transfères dans le camp de la lumière. Tu les prends sous la puissance du diable. Tu les mets sous la puissance de Dieu. Parce qu'il faut qu'ils aient la vie éternelle avec les sanctifiés. Alléluia. Et Paul dit, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Un bon faiseur de disciples doit rester fidèle à la vision céleste. Il doit la réviser. Il doit chercher les mots personnels pour expliquer ça. Parce que tu peux arriver dans un autre milieu qui ne prend pas les mêmes mots. Les mots qui faisaient couler les larmes ailleurs, tu dis ça là-bas, les larmes ne coulent pas. Tu changes de langage pourvu que tu aies le même résultat. Est-ce que nous sommes ensemble? Ne soyez pas prisonniers des concepts ou des mots. Soyez ouverts aux significations, c'est-à-dire au sens. Qu'est-ce que Jésus a fait? Les gens ne comprenaient pas la loi. Il dit, je suis venu restituer le sens de la loi. Qui a le français courant là? Matthieu 5. Français courant. Bon, cherche dans ton cellulaire. Un autre vient avec lui, second. Matthieu 5. Lis le verset 17. Ne pensez pas que je sois venu supprimer la loi de Moïse et l'enseignement des prophètes. Je ne suis pas venu pour les supprimer, mais pour leur donner tout leur sens. Amen. Leur donner tout leur sens. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Ici, on dit pour accomplir. Là, on dit pour donner tout leur sens. Donc, il ne faut pas t'enfermer dans les concepts. Il faut rendre la parole accessible. Il faut diminuer. Là où tu dois diminuer le niveau, tu diminues. Jésus est venu faire en sorte que quand on dit tu ne tueras point, il est venu expliquer ce que ça veut dire. Et quand il explique, il dit que ça veut dire que même insulter même est interdit. Vous notez que Dieu, le Père, travaille dans la formation des disciples. Je vous ai dit, on n'a pas encore étudié comment on fait les disciples. Non.
quels sont les acteurs qui sont dans ce chantier? Parce que le frère Lombé me rappelait qu'il y a les étapes de la formation des disciples, le processus. Donc, je lui disais qu'on n'est pas encore arrivé là. Ça peut être dans l'esprit d'une autre personne. Pour le moment, comme nous révisons, qu'est-ce qui n'a pas été évident dans nos enseignements les fois passées? Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que quand le frère Terror m'a confié la croissance de nos églises, je voulais écrire un document qui résume la stratégie des études que j'allais faire dans les églises. Et le Seigneur m'a dit non. Commencez par chercher qu'est-ce que vous avez raté dans la vision que votre Père vous a donnée. Avant d'aller, commencez d'abord. Qu'est-ce qu'on n'a pas compris dans la vision? Pourquoi on n'a pas atteint le but? Pour ceux qui ne le savent pas, le frère Zach était en train de méditer sur la CMCI. Il cherchait à savoir pourquoi nous pénétrons facilement les localités, les pays, mais la croissance est lente. À l'époque, c'était en 2004, nous étions à peine 200 000 dans le monde pour une œuvre qui a débuté en 1975. 2004, nous atteignions à peine 200 000. Cette année-là, il avait décidé que personne ne lui rend compte de quoi que ce soit, si ce n'est les effectifs. Il n'a pas de compte rendu, de prière, le jeûne, tout ça. Il dit, vous envoyez seulement nombre d'âmes gagnées, tac, nombre d'âmes gagnées, tac. Et ça l'a conduit même à supplier Dieu dans les jeûnes, les prières. C'est pour cette raison que Dieu nous a donné Santa Cruz. Quand tu lis l'introduction de Santa Cruz, Dieu lui dit, mon fils, tu es en train de crier à moi pour le réveil du peuple de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Et Dieu a commencé donc à lui donner les directives. Donc, Santa Cruz est la réponse au cri du frère Zach pour que Dieu envoie le réveil. C'est pour cette raison que nous allons travailler sur trois piliers. La formation des disciples, Santa Cruz et le message de Bertrand. Le message de Bertrand, c'est le message où Dieu lui montre le chemin du réveil de la communauté, le retour aux routines et l'abandon des idoles. Donc, ce que Dieu m'a révélé cette année, c'est que si nous prenons la vision qui est la formation des disciples, nous prenons Santa Cruz qui est l'appel de Dieu pour que le peuple de la CMCI apprenne à marcher par la foi et à servir par la foi en comptant seulement sur la puissance de Dieu. Et si on ajoute à cela la communion intime avec Dieu, frère, les villages vont nous inviter. Venez nous évangéliser. Et quand on arrive, on fait la campagne, on baptise les gens, on va dans les cours d'eau où il y a les totems là. On prend les poissons, on braise. On ment pour briser tout ça. Vous allez voir, ça, c'est des choses qui vont se passer. Je voudrais dire que c'est possible. Si tout le village a cru même, qui va obéir maintenant à ces traditions-là? Hein? Personne. Si tout le village a cru, est-ce que pour manger ces poissons-là, ça ne sera pas un problème? Puisqu'il n'y a personne qui va obéir à ça. Ils vont rester là pour qui maintenant? Donc c'est pour nous, frères, c'est pour nous, c'est nous qui retardons l'accomplissement de cette prophétie-là. Si nous gagnons les villages comme ça, tout ce qui est là, même forêt sacrée, on va rentrer là, on va chercher nos bois, on va couper les bois là, on va faire chant dedans. Qui va répéter? Acclamation. Oui, proclamons que ça va s'accomplir, ça va s'accomplir. Je proclame que ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir, ça va s'accomplir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, je proclame que des villages entiers vont se donner à Jésus et abandonner les fétiches, abandonner les cours d'eau, abandonner les forêts sacrées. Je proclame que cela va s'accomplir en Côte d'Ivoire au nom de Jésus. Amen. Amen.
Seigneur, nous proclamons que des villages entiers vont se donner à Jésus. Ils vont abandonner les idoles et les poissons qui sont dans les eaux sacrées seront mangés au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, nous proclamons que tous les villages au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, en papa le centre, vont donner leur vie à Jésus-Christ. Et les traditions, les coutumes vont disparaître. Au nom de Christ. Amen. Père, nous proclamons au nom de Jésus-Christ que ces paroles vont s'accomplir. Que des villages, des régions, des cantons vont se convertir. Les gens abandonneront les idoles et se tourneront résolument vers le vrai Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, tu as dit dans ta parole qu'il vous soit fait selon votre foi, Seigneur. Et nous croyons, Seigneur notre Dieu, que cette prophétie va s'accomplir, que des villages entiers vont se donner au Seigneur et que, Seigneur, des disciples authentiques seront formés. Nous proclamons que tous les villages, dans le sang, Seigneur notre Dieu, vont se donner au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons que cette parole est déjà accomplie. Que des villages vont se convertir à Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Père, nous proclamons, ô Dieu, que ces paroles vont s'accomplir, que des villages seront gagnés entièrement et que les interdits seront libérés. Tout ce qui est animaux, tout ce qui est végétaux, tout cela sera désacralisé au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous proclamons que les forêts sacrées vont devenir nos champs. Nous proclamons que ces silus, ces poissons dans ces eaux seront mangés. Nous proclamons qu'un jour nouveau commence au niveau de la conquête de cette nation. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous proclamons que ces paroles sont certaines, qu'elles s'accompliront effectivement, que des villages tout entiers se convertiront au Seigneur Jésus. Ils abandonneront les fétiches, les idoles, les coutumes et les traditions pour adorer Jésus et Jésus seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus, nous proclamons que cette parole est certaine et que nous allons gagner des villages et que les idoles seront renversées. Il n'y aura plus d'interdits dans les villages. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons que la parole de Dieu n'a pas changé, que Jésus est encore avec nous. Nous proclamons donc que là même où l'évangile n'a pas encore été prêché, nous irons dans ces lieux et que tout sera renversé, les totems, les coutumes, tout sera renversé et tout sera à nous pour la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons que ces paroles vont s'accomplir. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons que bientôt les coutumes, les traditions sont renversées. Je proclame au nom de Jésus-Christ que l'esprit qui est adoré à travers les varans qui se promènent à Wangolo est renversé. Au nom de Jésus, je proclame que ces varans seront tués et mangés par ceux qui les adoraient hier. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons qu'effectivement cette parole sera accomplie. Et que les villages vont nous inviter pour prêcher l'évangile. Et que tous les villageois, y compris les chefs, vont donner leur vie à Jésus. Et que tous ces rivières, ces lacs qui sont adorés, Seigneur, ne seront plus adorés. Ces poissons seront fumés et consommés. Ces animaux qui sont dans les forêts sacrées, Seigneur, seront, Seigneur, égorgés, fumés et consommés. Ces bois seront, Seigneur, coupés, Seigneur, pour faire des fagots, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que cela vienne, cela effectivement, Seigneur, viendra effectivement à l'existence, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons que cette parole va s'accomplir, Seigneur. Et que les villageois, Seigneur, vont se convertir. Et les idoles seront abandonnées au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ, je proclame que ces paroles vont s'accomplir. Tous les totems dans les villages vont finir. Les forêts sacrées seront cultivées. Les rivières, tous les esprits qui sont dans ces forêts sacrées, dans ces rivières, seront chassés. Oh Seigneur, tu vas régner dans les villages et les habitants du village vont t'adorer. Au nom de Jésus. Amen.
Au nom de Jésus-Christ, je proclame que cette parole va s'accomplir et que tous les villages entiers seront gagnés au Seigneur Jésus-Christ et que tous les interdits vont prendre fin au nom de Jésus-Christ. Amen.